cette piste aussi hein, de la fameuse taxe Gemapi, peut-être qu'il y a des choses à penser sur des territoires particulièrement touchés par le problème. On va, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la prochaine intervention qui fera écho au gros travail qu'a présenté également Estelle. Merci Estelle pour ton intervention, d'ailleurs c'était toujours très, très enrichissant. On a vu donc que le syndicat de Leuven fait un travail très important depuis longtemps sur tout ce qui est caractérisation. C'est un petit peu le nerf de la guerre, hein. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Donc en écho aux questions qu'on vous avait posées lors de l'enquête au niveau d'où vous en êtes sur l'état des lieux des pollutions plastiques sur votre territoire, on avait vu que vous étiez un petit peu plus d'un tiers à avoir effectué des états des lieux. Par contre, vous ne faites pas forcément de caractérisation très précise. Par contre, vous êtes très nombreux, 64% à collecter ces déchets. Voilà, donc il y a un réel enjeu aujourd'hui à faire ressortir de la donnée, notamment dans les terres, puisqu'on sait ce qui se passe à peu près sur les littoraux, dans les mers, dans les océans, quoique ça reste non exhaustif évidemment, mais on sait à peu près ce qui se passe. Aujourd'hui, on manque vraiment de données plus en amont dans les bassins versants, et donc c'est ce que vont nous. On va avoir une initiative très intéressante qui a été menée donc, en partenariat donc, par Expédition MED et France Nature Environnement en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vais laisser la main à Nathalie Chaudon et Bruno Dumonté qui vont nous présenter leurs actions menées sur le bassin versant de la Durance. Et je sais que Philippe Picon, donc, du SMAVD, du syndicat de la Durance, est en ligne également. Philippe, n'hésite pas à la suite des interventions à prendre la parole si tu le souhaites. Voilà, vous avez la main, notamment Nathalie, normalement tu as la main sur le dé de la présentation. Tu peux. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Du coup, Claire, est-ce que la suite, je partage mon écran Normalement, ou tu as juste à cliquer sur comment? ton écran et à scroller ensuite avec ta souris ou alors avec la flèche du bas. Voilà. Ok. Voilà, tu peux gérer le déroulé de ta présentation comme tu le souhaites. D'accord. Je vais essayer de gérer. Si je m'en sors pas, je veux bien. Pas de souci. Donc, bonjour à tous. Effectivement, c'est un projet. Donc, nous aussi, nous sommes deux associations, France Nature Environnement et Expédition MED. Bruno prendra la parole tout à l'heure. Nous avons répondu à l'appel à projet de la région pour une campagne de caractérisation des déchets sur le bassin versant de la Durance. L'idée, c'est bien d'obtenir des données reconnues et de plaider en faveur d'une responsabilité élargie du producteur des déchets et de valoriser ces données avec de la sensibilisation et pour impliquer le citoyen et créer une dynamique collective sur les territoires. Du coup, on a prévu de vous présenter d'abord les acteurs et partenaires du projet. Ensuite, l'échelle particulière hein, sur l'ensemble du bassin versant de la Durance sur lequel se déroule notre projet. Bruno ensuite vous présentera le protocole OSPAR, qui est un protocole européen que nous avons adapté au fluvial. Et nous ferons un zoom sur les biomédias et les stations d'épuration. Et enfin, une information sur la valorisation de nos données à travers une publication scientifique. Donc, les acteurs et partenaires, voilà, soutien financier de la région. Partenaires essentiels Expédition MED et FNE, la LPO également sur une des zones de notre étude. Et puis, tout au long du bassin versant, bon, FNE, on est une fédération d'associations, donc on a impliqué l'ensemble de nos fédérations départementales à l'échelle de la Durance, donc des Hautes-Alpes, en passant par les Alpes-de-Haute-Provence jusqu'au Vaucluse. Et puis, nous sommes rapprochés des gestionnaires de ces milieux aquatiques, notamment de la Durance, avec le SMAVD et aussi spécificité avec la Haute-Durance et le lac de Serre-Ponçon, où nous sommes rapprochés également du SMADESEP, qui se joint aussi à notre projet. L'idée d'être avec ces gestionnaires, déjà, c'est d'informer de notre démarche. Et aussi, on a pu, grâce à eux, obtenir, identifier, avec eux et nos associations de terrain, des sites, sur lesquels nous allons,
mettre en place notre caractérisation, nos ramassages et caractérisations. Voilà à peu près l'implication qu'on a pu avoir. Ensuite, malheureusement, on n'a pas pu valoriser comme nous le souhaitions le faire sur les territoires l'ensemble de nos données. Donc, on compte le faire cette année. Et là aussi, on se rapprochera des structures gestionnaires des milieux aquatiques pour pouvoir créer une vraie émulation à l'échelle du territoire avec toutes les parties prenantes. Donc, comme je le soulignais, la spécificité de notre étude, c'est qu'elle est sur l'ensemble du bassin versant de la Durance, qui est assez important. Donc, on avait identifié 3 points à Saint-André-d'Embrun, en Haute-Durance, l'Aimé, je descends directement au Mai, et ensuite un point proche de la gare d'Avignon TGV. Et on avait une zone spécifique du lac de Serre-Ponçon qui était en plus, qui est une particularité puisqu'il y a le barrage et qui a un effet loupe dans le lac, on le verra un peu plus tard. Donc cette zone a été traitée de manière un peu particulière. Donc, sur ces sites, on a fait à 3 périodes de l'année, automne, hiver, printemps, en fonction aussi des crues et donc de la saisonnalité qui impacte le bassin versant, on a pu faire nos 3 caractérisations, donc qui sont à la fois ramassage et ensuite caractérisation et stockage des déchets. Donc, vous voyez un peu les diverses zones. Donc là, Saint-André-d'Embrun, vous verrez après pour les données, on a fait des réductions SAE pour Saint-André-d'Embrun. Donc un espace très naturel. Sur les mets, comme il y a la ripisylve qui est très élargie, on a divisé la zone en 2 avec l'espace rivière et ensuite l'espace ripisylve. Et après, la gare TGV, qui était assez particulier puisqu'on est proche de la gare et proche du coup d'une grande agglomération. Et donc, on verra que dans les données qu'on a retrouvées, dans les déchets qu'on a retrouvés, on voit les différences en fonction du cadre et du milieu dans lequel on a ramassé ces déchets. Voilà, Bruno, je te laisse la main. Oui. Tout à fait, bonjour à tous, je vais mettre la vidéo. Voilà, donc pour compléter, donc si tu veux remonter, s'il te plaît. Alors, une seconde, donner la main sur la présentation. Bah, normalement, c'est bon, si tu montes, vous avez la main sur la présentation. Ouais, tu peux revenir, bah, là, je n'ai pas la main, là, donc... Si vous voulez remonter à la slide, dans l'autre sens. Voilà, encore, voilà, merci. Très bien, donc pour compléter les informations apportées par Nathalie, la méthode qui a été utilisée, c'est le protocole OSPAR. Donc, quelques petits mots sur ce protocole OSPAR. Pour rappel, c'est la convention OSPAR qui provient de la contraction OS pour Oslo et PAR pour Paris, a été co-signée par 15 gouvernements en 1992 et elle était destinée à l'origine et toujours à protéger l'environnement marin de l'Atlantique Nord-Est. Donc, depuis, en 1998, elle s'est élargie et ce protocole a le mérite maintenant d'être au niveau international considéré comme le protocole de référence pour les études de caractérisation de déchets, alors principalement pour le marin, mais de plus en plus, on l'utilise maintenant pour le fluvial. Donc, l'intérêt, évidemment, de ce protocole, c'est de pouvoir comparer les différentes données que l'on peut observer aussi bien sur le littoral, mais aussi bien maintenant sur le fluvial, afin de pouvoir croiser et de faire des études comparatives, évidemment, sur les différents résultats. Donc, l'intérêt de ce protocole est évident pour pouvoir arriver à des caractérisations et des analyses sur les collectes et les données pour pouvoir ensuite faire les corrections éventuelles et des comparatifs. Donc, ce protocole, rapidement, je ne vais pas détailler le protocole, mais
Il a, le principe, c'est de catégoriser des déchets pour le protocole marin en 11 grandes catégories, qui sont les plastiques, polystyrène, caoutchouc, textile, papier, bois usiné, métal, verre, poterie, déchets sanitaires, déchets médicaux et autres polluants. Donc, on le voit, il n'y a pas que les déchets plastiques. Et donc, chacune des catégories, ensuite, est composée de nombreux items. Donc, qui sont au l'ordre, il y en a plus d'une centaine. Et donc, nous, dans le cadre de la collecte que nous avons fait sur les différents points qui ont été précités, nous l'avons fait une modification pour apporter des éléments complémentaires, des items complémentaires et une catégorie complémentaire pour pouvoir ratisser l'ensemble des déchets qui, pour certains, n'étaient pas identifiés dans le cadre du protocole scientifique à la base OSPAR. Donc voilà pour l'utilisation du protocole et concrètement sur le terrain. Donc ça consiste à étudier une zone de 100 mètres de long le long d'un rivage et ensuite en remontant, comme ça a été précisé tout à l'heure, jusqu'à la berge. Donc en fonction des différentes zones à l'époque, en fonction de la remontée des eaux. Donc là, vous avez sur les différentes images eh bien, la poursuite de l'étude. Il a fallu, effectivement, ce protocole n'est pas très complexe à mettre en place, mais ça nécessite malgré tout une formation. Quand on l'a jamais fait, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, une formation avec l'ensemble des parties prenantes pour bien maîtriser ce protocole. Après la formation, évidemment, c'est la collecte des déchets et ensuite la catégorisation qui généralement se fait sur un site hors site de prélèvement, parce que bah, souvent on est confronté au vent, à différentes intempéries qui ne permettent pas de faire cette catégorisation dans des conditions vraiment optimum. Donc, si vous voulez bien, je vais passer à la slide suivante. Et voilà, donc un petit retour en image sur les différents sites qui ont été exploités. Donc, ça a été évoqué déjà Saint-André-d'Embrun, où évidemment, c'est un site où il y avait beaucoup de bois flotté, qui était un petit peu complexe à étudier, mais on s'est aperçu là, notamment, qu'il y avait des types de déchets qui étaient assez considérables, notamment du polystyrène. Donc, l'objectif étant effectivement, dans le cadre de ces protocoles, de définir les sources et les origines afin de pouvoir corriger justement ces fuites de déchets en amont à la source, comme ça a été évoqué dans la mesure du possible au niveau du producteur, dans le cadre des REP, mais aussi au niveau des fuites accidentelles, on le verra dans le cadre de certaines utilisations. Donc ensuite, vous voyez des images de caractérisation sur des tables. Hein, c'est pas, comme je vous le disais à l'heure, hein, c'est pas un protocole très complexe à mettre en place. Et bien, il faut un petit peu d'espace et un petit peu de monde pour caractériser, parce que ça peut être assez fastidieux, comme je l'ai dit, avec 16, plus de 120 items et 12 catégories. C'est pas si évident que ça dès le début à maîtriser complètement. Donc ça, ensuite, vous avez les différents sites. On reviendra sur le site de Serre-Ponçon qui a une partie avec des particularités spécifiques, notamment sur certains déchets qui ont été retrouvés. Et également, on le voit, là, le site d'Aimé, où là, ça a été évoqué tout à l'heure sur des pollutions d'origine agricole. Donc, si on veut corriger en amont, peut-être trouver des solutions avec les pratiques agricoles locales. Et aussi au site d'Avignon, où ça a été précité, là, vous voyez de la catégorisation, notamment beaucoup de verres et notamment des bouteilles de bière, dont je tairai la marque pour certains amateurs de bière qui pourraient être présents et ne pas les sensibiliser à cette marque. Ensuite, pour poursuivre, si vous voulez bien, à la slide suivante, on va faire un petit zoom sur, sur notamment le lac de Serre-Ponçon qui a une particularité, c'est qu'il interrompt le cours de la Durance et le bloque les objets flottants que la rivière charrie en période de crue. Donc, rien ne peut passer au-dessus de la digue et en fonctionnement normal, la seule sortie possible, c'est la prise d'eau des turbines qui est à 100 mètres au fond. Donc, tout ce qui flotte reste en surface et se déplace, poussé par le vent dominant et les courants vers la partie amont du lac côté Durance. Donc, ensuite, il se produit un effet bloquant et de concentration et on observe différents types de déchets que l'on observe assez rarement dans la nature. Donc, notamment là, on va faire un zoom sur des déchets qu'on a bien identifiés, qui sont la fuite de biomédias provenant de stations d'épuration. Alors, un petit rappel pour les biomédias, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, c'est quoi les biomédias? Ce sont des petits objets cylindriques, comme vous pouvez voir sur les trois photos de gauche. Là, ce sont certains qui sont des rondelles noires ajourées et d'autres, ce qu'on appelle des biochips, qui sont des rondelles cylindriques qui sont perforés. Donc, ces biomédias, en fin de compte, dans les stations
ne sont pas utilisées par toutes les stations d'épuration, mais pour beaucoup, sur certains systèmes, pour servir de support à différentes bactéries qui vont permettre d'augmenter, d'optimiser la dégradation de la matière organique dans les stations d'épuration. Donc, effectivement, ça peut être un procédé intéressant, sauf malheureusement quand ces différents biomédias prennent la fuite de ces stations d'épuration et se retrouvent dans l'environnement. Où là, ça devient très inquiétant parce qu'on peut assister à des fuites assez considérables, notamment là, pour rappel, c'est la LPO de Serre-Ponçon qui a fait ses collectes. On était entre juin et septembre 2020 à 28 000 biomédias noirs qui ont été ramassés provenant de la cèpe de Valouine. Donc, l'origine a bien été identifiée. Et notamment également 5300 biochips provenant de la station du Queyras. Donc, l'idée pour l'instant, ce n'est pas de faire un procès, mais c'est de bien définir, évidemment, l'origine de ces fuites et pour pouvoir ensuite être en capacité d'intervenir par rapport à ces fuites qui, pour certaines, n'ont pas été signalées. Et donc là, on l'a vu ensuite par rapport à l'enquête qui est en cours, c'est des accidents suite à une mauvaise gestion, notamment technique, de certaines stations d'épuration. Donc, on le voit, ces milliers de biomédias, quand ils prolifèrent et qu'elles sont là, c'est en plus… Elles fonctionnent comme en mer, le principe de colonisation des débris plastiques par différents organismes, ce qu'on appelle en mer la plastisphère, l'ensemble de tous les débris plastiques qui flottent et qui se déplacent sur les océans et les mers, notamment également en mer Méditerranée. On verra tout à l'heure, on va faire une petite loupe sur un effet de fuite de ces biomédias en Méditerranée. Et donc, ils sont colonisés dans l'eau, et je pense qu'il faudrait faire des études sur le sujet dans les eaux douces, mais je sais qu'en mer, on a débuté des études justement d'inventaire de type de bactéries, virus, algues et autres organismes qui pourraient être éventuellement pathogènes pour les organismes marins et voire in fine pour l'être humain, se déplacent dans la nature et dans des proportions considérables, on le voit, des milliers et des milliers de biomédias. Donc, il est vraiment important pour justement les gestionnaires de stations d'épuration d'être en capacité de maîtriser complètement ce type d'utilisation de produits. Et donc, un autre effet aussi assez caractéristiques, ce sont les bourres de cartouches de chasse. Pour ceux qui ne sont pas chasseurs, ces bourres de cartouches de chasse, ce sont des petits objets qui sont à l'intérieur de la cartouche et qui servent à propulser les plombs lorsque le tir est effectué. Et donc, ces bourres de chasse qui sont en plastique, partent avec les plombs. Donc, la cartouche, on peut… Quand on a affaire à des chasseurs qui sont respectueux de l'environnement, elles peuvent être conservées et ramenées pour un recyclage éventuel. Par contre, ces bourres de chasse, elles partent directement dans la nature, elles sont irramassables. Par contre, ensuite, avec le phénomène des ruissellements, elles se retrouvent, et là, il y a un effet bloquant et qui fait de loupe au niveau de Serre-Ponçon, elles se retrouvent dans l'environnement, et là, ce sont des centaines et des centaines de bourres de cartouches de chasse qui ont été retrouvées. Donc là, effectivement, il y a une action à faire au niveau, ça pourrait être une REP avec les fabricants de cartouches et les utilisateurs, et notamment également la Fédération de chasse. Donc, c'est en cours, des initiatives sont en cours actuellement pour voir de quelle manière on pourrait corriger justement cet effet d'abandon des bourres de chasse, des bourres de cartouches de chasse en plastique dans l'environnement. Donc, souvent, à l'origine, c'est des bourres en carton. Donc là, il semblerait qu'il y a des fabricants qui sont en train d'être sensibilisés à ce problème et de trouver des solutions avec des bourres en carton. Donc, on va passer à la slide suivante pour les premiers résultats qu'on a obtenus. Alors, effectivement, ce sont des moyennes de chaque catégorie sur les différents ramassages. On ne va pas pouvoir vous donner des résultats plus précis parce que, comme vous l'avez vu avec les différents items, on a des analyses qui sont beaucoup plus fines. Mais pour valoriser tous ces résultats, on a décidé d'en faire une publication scientifique. Ce qui fait que, avant de publier ces résultats, on est obligé, comme vous le savez, de conserver ces résultats pour la publication. Et une fois évidemment que ces résultats seront publiés dans le cadre de la publication, ils pourront être partagés et diffusés et notamment éventuellement être utilisés dans le cadre de ce qui a été évoqué tout à l'heure du réseau REMED. Donc, pour l'instant, là, ce qu'on peut dire pour les premiers résultats et qu'on peut évoquer, c'est que dans les différents sites, c'est la majorité des déchets, évidemment, comme vous voyez, ce qui est en bleu, ce sont des déchets plastiques. Et ensuite, comme on a vu le constater, à certains endroits, notamment au mai, et c'était intéressant de voir au mai,
aux mets rivières et aux mets forêts, il y a des légères différences sur les typologies des différents déchets qui ont été collectés. Et ensuite, comme ça a été évoqué tout à l'heure, sur le site d'Avignon, effectivement, les plastiques sont moins présents et c'est augmenté. Et là, ça peut s'expliquer par la situation urbaine, et par du verre, du papier et du métal. Donc, comme je l'ai dit, le verre a été bien identifié sur l'origine. Et là, par exemple, si on pouvait imaginer, et les réflexions qui sont en cours pour des solutions, c'est peut-être de trouver des solutions pour de la consigne locale pour éviter l'abandon de ces verres et voir d'autres solutions qui sont en cours d'étude pour trouver justement une manière de corriger ces fuites de déchets dans l'environnement. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit effet de loupe, et là je vais prendre comme exemple des fuites de déchets qui ont eu lieu en février 2018 par rapport à des biochips, donc ce type de déchets qu'on a retrouvé également dans le lac de Serre-Ponçon provenant d'une station d'épuration à proximité de Naples, pardon. Et là on n'est plus sur quelques dizaines de milliers, mais on est sur des centaines de milliers, voire des centaines de millions de biochips qui se sont évadés de cette station d'épuration et qui, comme vous le savez, quand ça arrive en Méditerranée, ils ne s'arrêtent pas aux frontières, ils circulent sur l'ensemble du bassin par le phénomène de courant. On le voit là d'une manière bien évidente, et ça c'est lié à différents rapports qui ont été effectués par l'association Clean Sea Life. Différentes collectes de ces biochips qui ont été effectuées un petit peu partout, près de 600 rapports ont permis d'identifier et de comptabiliser tous ces biochips qui sont évadés, et notamment via le courant liguro-provençal, qui ont remonté et qui se sont ensuite éparpillés. Donc, on suppose, pour les études qui sont en cours, qu'on est au-delà des 250 000 biochips qui ont été collectés, mais ça pourrait être plusieurs millions. Et donc, je voulais la réponse là qui se fait actuellement, c'est qu'une législation qui est en construction suite à une loi qui a été votée en Italie en 2015, il me semble, justement par rapport à la protection de l'environnement, et qui permet de pouvoir poursuivre les auteurs de la fuite. Et pour le coup, là, c'est un procès qui vient de démarrer depuis ce début de semaine, depuis lundi en Italie, par rapport à cette fuite de biochip. Et donc, sont interpellés, évidemment, les propriétaires de la station d'épuration, mais également les gestionnaires. Et pour le coup, c'est Veolia. Donc, vous le voyez, une législation en construction peut être une réponse pour l'abandon des fuites, et informer et sensibiliser justement les gestionnaires et propriétaires de stations d'épuration de mettre toutes en action pour éviter ce genre de fuite de biochips qui peut faire des dégâts extrêmement considérables, parce qu'on le voit, tous ces millions de supports de biochips vont devenir des supports pour des bactéries, des virus, des algues éventuelles qui vont polluer l'ensemble de l'environnement marin en Méditerranée. Donc voilà, pour le coup, j'en ai terminé, et on peut passer aux questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention très, très intéressante. À travers vos interventions, l'idée, donc, c'était bien de... Voilà, c'était très intéressant de voir que vous avez pu adapter ce fameux protocole que certains d'entre vous doivent d'ores et déjà connaître, le protocole OSPAR, puisque l'enjeu, comme on n'arrête pas de le dire vraiment pendant ces deux matinées, c'est vraiment de faire remonter de la donnée dans les terres, parce qu'on en manque aujourd'hui. Et merci pour ce zoom sur les biomédias. C'est vrai que Jennifer Poumet, là, qui est en ligne de l'association Surfrider, a valorisé un document très intéressant qui avait été publié par Surfrider sur le sujet, un rapport spécifique sur les biomédias, parce que c'est une réelle problématique. Moi, ça me fait penser en écho aux fameuses larmes de sirène également. On donne un nom très poétique à des petits granulés qui se retrouvent un petit peu partout, également dans les mers, les océans, qui sont en fait les granulés de plastique grâce auxquels on fabrique ensuite les matières plastiques. Voilà, c'est des sujets vraiment qu'il faudrait travailler avec les industriels, avec les acteurs privés. Mais encore une fois, la première étape, c'est toujours la même, c'est grâce aux chiffres qu'on fait remonter réels de terrain qu'on peut après faire bouger les acteurs qui sont concernés. Voilà. Je vais laisser la parole à Philippe Picon du SMAVD qui pourra faire écho à l'intervention donc, de Bruno Dumonté et Nathalie Chaudon, puisque Philippe Picon est au syndicat de la Durance. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Bonjour. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Juste pour faire le pendant de cette présentation vraiment, vraiment très intéressante,
Plutôt, donc le point de vue plutôt du gestionnaire, quoi, hein. Le SMAVD porte un contrat de rivière sur la Durance entre l'aval de Serponçon et Avignon et le Rhône. Et dans ce cadre-là, alors on n'a pas d'axe d'intervention qui est spécifique sur les déchets plastiques. En revanche, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises et qui peuvent aller dans le sens d'une diminution des flux de macro-déchets dans la rivière. Et je voulais peut-être apporter un témoignage. Alors, il y a de nombreux problèmes, comme ça a été montré sur le bassin de la Durance, avec beaucoup d'activités. Attendez, on me demande de mettre ma vidéo. Me voilà. Voilà. Avec beaucoup d'activités sur le bassin de la Durance qui génèrent évidemment des déchets. C'est un bassin qui est aussi assez anthropisé. Il y a plusieurs problèmes. Et parmi les problèmes qui nous concernent un peu directement, d'abord, il y a d'anciennes décharges communales qui ont été historiquement installées en bord de rivière. C'est très classique, évidemment. Et certaines d'entre elles, donc, qui sont évidemment plus actives, mais qui sont toujours présentes, hein, qui ont été recouvertes. Et donc, on a des actions de lutte contre les phénomènes d'érosion de la Durance, qui est une rivière active. Et donc, les érosions de berges peuvent, et ça arrive dans certains cas, effectivement, mettre à nu, découvrir d'anciennes décharges, et ça peut être un flux de pollution. Donc, on est quand même attentif à ça. Et un des autres sujets sur la Durance, et notamment en basse Durance, c'est les dépôts sauvages. Donc, ça a été évoqué sur l'Yvonne, naturellement, avec en Durance beaucoup de zones de non-droit et des usages qui ne sont pas forcément souhaitables, et notamment ces dépôts sauvages. Donc, par rapport à ça, notre approche, elle est peut-être un petit peu originale, c'est de se dire que, alors il faut lutter contre ces dépôts sauvages. Une des difficultés, c'est que la Durance, c'est quand même très, très, très vaste. Hein. On ne peut pas mettre des agents partout, des gardes-rivières ou des policiers municipaux dans tous les coins, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de développer plutôt une approche de canalisation de la fréquentation à bord de Durance. L'idée étant de valoriser la Durance, la rendre plus attractive. Et donc de faire évoluer les usages qui étaient plutôt d'utiliser la Durance, les bords de Durance comme une zone de non-droit où on pouvait balancer ses déchets en un milieu agréable, fréquenté par du tourisme, des familles. Et donc on développe un projet notamment de véloroute et d'aménagement des bords de rivière pour les rendre plus attractifs. Donc l'idée étant que faire aimer la rivière. En favoriser une fréquentation un petit peu différente, c'est aussi lutter contre les dépôts sauvages. Donc, c'est une approche un petit peu indirecte, mais qui marche bien. On dépensait quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année en ramassage. On préfère investir cet argent dans une valorisation de l'espace, des bords de rivière. Et ça permet de mieux gérer les accès, de bloquer certains accès, d'empêcher… Voilà, et donc, d'avoir des modes de transport doux. Voilà, les gens se promènent maintenant en bord de Durance sur les secteurs qu'on a pu réaménager. C'est aujourd'hui une vingtaine de kilomètres en basse Durance, voilà, avec des fréquentations de promeneurs, de cyclistes beaucoup, de randonnées à cheval. Et du coup, ça limite et ça arrête même, hein, dans certains secteurs les dépôts sauvages. Donc voilà, et donc du coup, par rapport à ça, les financements sont, les voies de financement sont un petit peu différentes. On a des collectivités locales qui sont très directement intéressés par ça, parce que c'est une forme de développement économique des territoires. Donc, les communes ou les intercos ou les départements sont intéressés par ces démarches-là. Et donc, ça permet de drainer quand même quelques financements pour réaliser ces aménagements. Hein, voilà. Voilà ce rapide témoignage qui est assez complémentaire, je pense, de l'aspect plutôt recherche sur la nature des polluants et leurs sources. Là, on est plutôt dans effectivement l'action de préventive pour éviter que ça se dépose. Voilà, alors ça règle certainement pas tous les problèmes, mais c'est une première démarche. Voilà. Merci Philippe pour en effet cette intervention.